Yeah!
démocratie n'a pas la prosecute. Comme les Américains le disent, it's natural things. C'est naturel et surtout réjouissant de revoir notre Lapiro à nous. Merci beaucoup. L'un des artistes africains, je peux même dire au sein de la famille africaine, le seul artiste qui n'a pas la langue dans la poche. Mais après quelques petites années de traverser le désert, comment est-ce que vous vous sentez? C'est la pleine forme? C'est la résurrection? Ou bien c'est un nouveau départ? C'est la fierté. Non, il n'y a pas de nouveau départ. On continue. Parce que si à chaque fois on fait un nouveau départ, au bout du bilan, on se rend compte qu'on n'a fait que des départs et on n'a rien. No achievement, comme on dit. Donc moi, il n'y a pas de nouveau départ, je continue. Et il est clair que dans mon chemin, il y a eu aussi une traversée du désert. Bientôt peut-être ce serait une traversée de la savane. Après ce serait une traversée de quoi de montagnes. Et si j'ai décidé de marcher, je dois traverser. Est-ce qu'en 50 ans d'existence, vous parlez de un peu de l'atmosphère politico-politicienne du continent noir, Lapiro n'est pas en train de prendre des engagements qui peut-être vont lui coûter un peu cher? Parce qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que la société africaine n'aime pas la vérité. Et comme vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un de vérité, vous n'êtes pas en train de jouer un tout petit peu sur un terrain glissant? Ben, le terrain glissant, ça existe. Et il faut bien qu'il y ait des gens pour marcher dessus. Comme on dit chez nous, c'est pas moi qui fais. J'allais dire que je fais pas exprès. Rien du tout. C'est ma nature. Non. Dieu crée des gens, chacun avec. Il y a des aînés aussi qui ont fait le même combat que moi, qui n'ont pas eu le temps ou la chance de jouer comme moi je peux jouer aujourd'hui. C'est-à-dire être dans le désert et sortir du désert. Parce que après chaque épreuve, on est heureux d'avoir atteint le bout, d'avoir fini le parcours. Je suis heureux d'avoir fini cette partie de mon parcours et j'entends, je continue sur une autre partie qui n'est que du long chemin où je dis bien, c'est pas moi qui vais finir le combat. Parce que moi, il faudrait bien qu'un jour que je m'arrête et qu'un autre combattant continue. Parce que moi, c'est pas moi qui commence ce combat. Il y a beaucoup de personnes, le père Lezanne qui ont commencé hier, les Franklin Boukaka, les Fela et tout le monde qui sont tombés. Moi aussi, j'ai fait ma part et je vais m'arrêter et je vais continuer. Mais bon, si c'est le prix à payer pour que l'Afrique soit ce continent dont on rêve tous, après que tous les continents, dont notamment l'Europe et les États-Unis, soient mis en course. Ouais, je pense que je suis là pour que l'Afrique demain soit très bien. Vous voyez la France par exemple, à Paris on n'arrive plus à rien construire. C'est saturé. Tout ce qu'on fait pour aujourd'hui à Paris, c'est de casser une vieille route pour en mettre une autre. Mais on ne voit pas des immeubles qui changent. On ne voit rien. On a beau mettre des tramways, mais est-ce que les trams n'existaient pas il y a 50 ou 70 ans? Il y a 100 ans les trams, ouais, ça tourne. Mais avec l'Afrique, ce serait mieux que l'Asie, ça, enfin, les pays du Moyen-Orient. On voit bien les pays du Moyen-Orient, Dubaï et tout le reste, qui sont des villes fabuleuses aujourd'hui sur la planète. Et plus le monde évolue, plus les technologies surtout avancent, l'Afrique sera mieux que Dubaï et autres demain. Donc moi je dis, c'est le prix à payer. Et je suis content d'être dans le combat d'ailleurs. Ouais. Lapiro, en plein 21e siècle, un message pour la génération future, ceux qui ne vous connaissaient pas le siècle dernier, quelque chose à leur dire, des conseils à leur prodiguer, comment est-ce qu'ils doivent marcher, comment est-ce qu'ils doivent se tenir dans une société très évolutive, très concurrentielle, dont l'Afrique ne va pas rester quand même un le dernier. Conseil, un seul conseil, que chacun ait foi en lui-même, en ce qu'il fait. Parce que c'est la multitude de petites étincelles que chacun croit pour lui qui fera une grande lumière. Que chacun croit en lui-même, en sa propre personne. Fais ce que tu fais, parce que tu y crois, parce que tu le penses. Tu n'as pas besoin de conseils des autres. Que chacun se conseille lui-même et qu'il fasse un effort pour aller vers l'avant. La multitude des petits efforts pour faire un large océan d'efforts. Lapiro, on sait très bien que les grosses structures aujourd'hui mettent les moyens à leur disposition justement pour diffuser des images à la seconde près
sur pas mal d'écrans. Mais nous, on a Jean-Jacques Vidéo, un jeune africain originaire du Cameroun qui fait beaucoup pour les artistes africains, qui est en face de vous, qui est en train d'immortaliser ces images. Je demande à chacun de croire en sa personne, parce que voyez-vous, Dieu est esprit et il a mis en chacun une partie de son esprit, de son pouvoir. Il appartient à celui-là de booster, de rentrer dans son fort intérieur et de ressortir ce qu'il a, parce qu'il va aller de l'avant. Comment, qui suis-je pour conseiller une créature de Dieu? C'est pas possible, ça ce serait très prétentieux. Et puis la capella, je crois que peut-être après ça il va avoir le son. Il ne faut pas d'accabler, parce que je suis beaucoup plus chatcheur, parleur que chanteur. Merci. Je laisse les acapellas pour les chanteurs love, comme on les appelle, quoi. Les gens qui chantent pour flatter les filles, moi, les filles, je les flatte. Ils les adorent. Et comment? C'est Jean-Jacques Vidéo. Vidéo. Monsieur 100 000 volts.